Voici un set de table que nous avons réalisé avec de la peinture pour tissu. C'est à color. J'ai choisi une couleur opaque sur le lin et nous allons le réaliser ensemble. Nous allons utiliser un set de table. On l'aura lavé au préalable. Pourquoi ? Bien pour retirer l'après et on le lavera sans assouplissant. L'assouplissant fait office d'après. Donc ça, c'est très important parce qu'on veut vraiment que la couleur tienne sur le tissu et non pas sur l'après. Il a été séché et bien sûr repassé pour ne pas avoir de plis. Ensuite, on va utiliser le pochoir et on va utiliser la couleur Cetacolor. Il vous faudra aussi l'outil incontournable, le pinceau pochoir. Les poils sont très durs et permettent une bonne application à travers les pochoirs. Donc ici, on a un pochoir qui est autocollant. Donc on va retirer le film autocollant. Avec cette finition autocollante, on n'a aucune erreur lorsqu'on travaille au pochoir. Donc je place mon pochoir et j'appuie pour bien qu'il adhère. Je mélange mes couleurs avant de les utiliser pour bien avoir une couleur homogène. On a besoin de très peu de produits. Voilà. Et ici, vous voyez, je vais appliquer la couleur en frottant mon pinceau plutôt qu'en tapotant. Vous aurez une finition beaucoup plus propre, beaucoup plus nette. À présent, je vais retirer le pochoir pour passer à côté. Voilà, je recommence. Sans aucun danger, je peux réappliquer mon pochoir. Je vais attendre le séchage et ensuite je vais fixer mes couleurs. Repassage position coton, 5 minutes à l'envers. À présent, mes couleurs sont fixées. Je peux laver mon set de table en machine sans aucun souci.